Nous voici donc à l'aube de notre époque géologique. Pour traverser les dernières glaciations avant notre époque, qui est une époque interglaciaire, rien de tel qu'un petit tour du monde 20 000 ans en arrière. Cela nous ramène à la fin du Pléistocène, qui se trouve être l'avant-dernière époque sur l'échelle des temps géologiques, tant qu'on ne prend pas en compte l'Anthropocène du moins. C'est le moment où on commence à bien s'installer, nous, les homos, sur Terre. C'est une période au-delà de mémoire d'homme, mais à ce moment de son existence, la Terre ressemble déjà beaucoup à ce qu'elle est actuellement, puisque les continents ont déjà quasiment pris leur conformation actuelle. Il sera donc plus aisé d'imaginer notre périple sur un petit planisphère mental qu'on va essayer de fabriquer ensemble. En se promenant au cours de la dernière série de glaciations de cette période, qui s'étend d'environ moins 60 000 à moins 10 000, avec un pic, un maximum glaciaire à moins 22 000, par rapport au présent. Une petite mise en condition est nécessaire avec une information météorologique capitale. Il fait froid durant l'âge de glace. La température moyenne sur Terre est d'environ 9 degrés contre les 15 actuels. Pour situer, c'est à peu près la température qu'il ferait dans une maison trop grande, pas chauffée et mal isolée dans nos régions un matin d'hiver enneigé. Enfin bref, il fait très froid sur Terre à ce moment-là. Le premier point remarquable dans le paysage terrestre, c'est le volume incroyable des glaciers. On peut prendre le glacier du Rhône, par exemple, qui s'étend alors de l'actuel Neuchâtel, Suisse, jusqu'à l'actuel Lyon, France. Oui, à ce moment-là, Lyon est recouverte de glace. J'irais même jusqu'à dire qu'elle est recouverte d'un immense manteau de glace, puisqu'il peut atteindre 320 mètres de hauteur. C'est-à-dire la taille de la Tour Eiffel. Donc si à cette époque-là, on avait placé la Tour Eiffel à Lyon, ben on l'aurait pas vu, ce qui aurait été très dommage. Les glaciers s'étendent évidemment sur tout le reste de l'hémisphère nord, sur l'Eurasie ainsi qu'en Amérique, où ils atteignent jusqu'au 40e parallèle, qui est remarquablement celui qui passe par la Turquie, le Portugal ou encore l'État de Californie. On est donc descendu très au sud pour des glaciers. Évidemment, et allant de pair avec la température et les volumes de glace présents sur Terre, la neige persiste à des altitudes bien plus basses qu'actuellement. Donc on peut dire que si vous vous promeniez dans l'hémisphère nord, vous pourriez faire des sports d'hiver tout le temps. Évidemment, en parallèle de cette augmentation massive du volume des glaces, il y a une diminution massive du niveau de la mer. Durant cette période, à son minimum, le niveau des océans était 110 mètres en dessous du zéro actuel. Et là, dans le petit planisphère mental qu'on est en train de faire, c'est vraiment impressionnant. Parce que la Manche est asséchée, parce que la mer Noire est complètement fermée et beaucoup moins étendue qu'actuellement, parce que la Birmanie, la Thaïlande, c'est en fait une grande péninsule très large qui part de la Chine et pour laquelle les Philippines sont seulement une presqu'île. Donc on n'a plus toutes ces archipels, c'est vraiment une grosse masse terrestre, parce qu'il n'y a plus de côte nord à l'Australie, puisqu'elle est reliée à la Terre, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. En fait, on peut alors tout faire à pied. Imaginez, on peut partir de Nantes, et en marchant assez longtemps, ceci dit, vers le nord, puis vers l'ouest, on atteint l'Irlande, sans passer par la mer. On peut tout faire à pied, sur Terre. Arrivé à l'ouest de l'Irlande actuelle, il faudrait encore marcher à l'ouest pour trouver l'océan. Et depuis l'Irlande, on pourrait par exemple choisir de rejoindre New York. Oui, New York. Moyennant évidemment un certain nombre de pics à glace, de séances d'escalade et d'une grande motivation pour parcourir les plus de 25 000 km qui nous séparent de cette ville, qui est alors pas une ville d'ailleurs, on pourrait le faire puisqu'à cette époque, le niveau de la mer est tellement bas que tout le détroit de Bering est émergé et que donc l'Alaska est lié par la Terre à la Sibérie. Bon, c'est impressionnant, on peut vraiment tout faire à pied. Maintenant que vous avez ce planisphère mental en tête, on peut essayer d'imaginer un peu le monde vivant. Parce que oui, au gré des périples durant l'âge de glace, on peut observer faune et flore adaptées au climat. Les steppes d'Europe et d'Amérique sont remplies et regorgent de méga-espèces comme les mammouths, les rhinocéros laineux, les tigres à dents de sabre, etc. Ça semble un peu moins impressionnant que le planisphère, peut-être, parce que ce sont des mammifères que l'on connaît via des visites au muséum ou via des visionnages de certains dessins animés. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est de se dire qu'à cette époque, on pouvait trouver des mastodontes ou des paresseux géants terrestres au Mexique ou
ou se dire que le Sahara a été une époque, une terre fertile, avec des végétaux, avec des animaux, et donc des tribus de chasseurs-cueilleurs qui s'y promenaient. Et qu'au vu du climat actuel au niveau du Sahara, on imagine que tous ces écosystèmes ont dû être déplacés pour cause de variations climatiques, et migrer par exemple vers l'Est pour rejoindre le croissant fertile et le berceau de notre monde antique tel qu'on l'a appris dans l'histoire du moins. Voilà, pour ce petit voyage dans l'âge de glace, s'il y a quelque chose que j'aimerais en retenir, c'est probablement que notre petit monde, le monde tel que nous le connaissons, peut changer du tout au tout, seulement à cause de variations climatiques.